dit quand c'est parti? Ils sont tout mouillés. L'entrecôte. Pourquoi? Ah non, pardon. Viande ou poisson? Eh ben, moi je dirais légumes. En train de tout mouiller. Mer ou montagne? Mer, bien sûr. Ouais, à fond, ouais. Ah bah, même les montagnes aquatiques, je dirais. Ouais, ou la mer à la montagne. Ouais, par exemple. Vous faites quoi ici? Ah bah ça. Eh ben, on est, c'est la première étape de résidence du projet Out of the Blue. Donc on est là pour poser les bases du projet, pour s'entraîner déjà avant tout. Parce que même si on a un bon passé de pratiquants dans l'eau, Seb et moi, on est quand même circassien à la base et c'est le premier projet qu'on écrit dans l'eau et on a besoin de se faire des routines d'entraînement, de se faire une certaine caisse, de savoir de quoi on est capable, de repousser ou en tout cas d'entrevoir nos vraies limites. Et du coup, je dirais que cette semaine-là, on est là pour ça, pour s'amuser, parce qu'on a un super outil là, dans la piscine des Gailleuls. Donc on a une fosse de 10 mètres juste pour nous pendant 15 jours, là, ce qui est quand même assez incroyable. Et du coup, ça fait quand même 2 ans qu'on pense au projet. Et là, on peut enfin tester nos idées un peu farfelues. Par exemple, de faire du kettlebell de 12 kg, à 6 mètres. Voilà, par exemple. Donc, faut quand même que, vu que lui il est parti sous l'eau, faut quand même que j'ai un œil sur lui. Oui. Pourquoi un spectacle mêlant l'acrobatie et l'apnée? Alors, qu'on a déjà répondu à ça. Je peux répondre. Pourquoi un spectacle mélangeant acrobatie et apnée? Pourquoi acrobatie? Parce que Sébastien et moi, on est circassiens, tous les deux. On a été formés au CNAC en tant que porteurs. Donc c'est notre métier, hein, principalement, et on l'aime notre métier, on n'a pas envie d'en changer. Et pourquoi l'apnée? Parce que Sébastien, avant de faire du cirque, il était nageur de haut niveau, on peut le dire. Toi tu le dis pas, mais moi je le dis. Je l'ai dit en fait, je l'ai déjà dit. Tu l'as déjà dit. Donc Sébastien était un grand nageur avant de faire du cirque, et moi je suis apnéiste, donc je suis instructeur d'apnée. Et à un moment, passion commune, on a eu envie de faire de l'acrobatie dans l'eau, voilà. Donc il y a encore du taf, mais on a envie, hein, on essaye. Attention au micro, tu mouilles pas le micro, Sébastien, s'il te plaît. Non, voilà, nécessité de, à un moment, mélanger les deux, de sentir que le potentiel aussi de la chose. Voilà, merci. Puis un défi aussi, je pense que c'était notre défi à tous les deux aujourd'hui, de se dire qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous passionne. C'est de faire se rencontrer nos deux mondes qui sont le cirque et l'eau, quoi. Voilà. Il reste des questions? Non, il n'y a plus. C'est tout? Ouais, c'est chaud. Hein. C'est toi qui t'as bloqué pour que ça se mouille pas? Hein? J'ai bloqué. Ça a pas trop mouillé.